Salut à tous, on reprend avec le scénario de Silent. Donc je sais pas si vous vous rappelez de la dernière fois, on avait commencé le jour 9. Enfin commencé vite fait parce qu'on était juste allé dans les ruines là. On était juste allé dans les ruines pour faire le petit truc optionnel. Ici là. Et notre but c'était de passer par le désert. Alors j'ai XP un peu et je me suis surtout énormément équipé. J'ai tous les équipements, les meilleurs équipements qu'on peut avoir pour l'instant. Et on les trouve dans la ville des reptiles qui se trouve à l'ouest là. De toute façon vous pouvez pas trop vous louper parce que il n'y a que deux villes où on peut aller. Voilà, alors on est un peu bloqué. Donc il y a la ville de départ de Silent et puis il y a la ville à l'ouest, c'est celle des reptiles. Voilà. Du coup j'ai acheté cette armure pour tout le monde qui est très 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 résistante. Et ça qui est super cool aussi. Avant j'avais ça, pour vous montrer la différence. Plus d'esprit, plus d'attaque, plus de défense des deux. Bon là j'ai aussi obtenu des soies parce que en combattant les ennemis j'ai XP dans le petit temple qu'il y a juste à l'ouest aussi, juste avant la ville. Voilà. Voilà, donc on se retrouve dans le désert de Saqqara. Simple hein, le désert, vous allez voir. Ah bon, bah c'est plutôt bon signe hein, si j'ai trop d'anime. De fuck. Voilà. Donc la rose des sables, c'est. Si ce n'est qu'une fourmi, on pourrait penser que c'est un fourmilion ou je sais pas quoi, mais il ressemble pas du tout. Je vais tester une nouvelle attaque d'eau là que j'ai créée. Celle-là. C'est une attaque d'eau mono-cible très puissante. Avec lui, on va mettre ça. Puis on va bourriner avec les autres. Ah, elle est violente quand même. À 10. Ah mais c'est vrai qu'elle a une magie de merde, hein, j'ai oublié. C'est qui a une bonne magie? C'est lui hein, ouais. Ouais c'est ça. Alors attendez, s'il a une magie de merde, qu'il a fait des dégâts pareils avec son truc d'eau, ça doit être surpuissant en fait. Faut que tu testes. En même temps je fais de l'eau mais je sais même pas si c'est de l'eau qu'il faut faire. Ah bah attendez, parfait. C'est vrai qu'il a pas le corps de Silent, donc forcément. C'est pas possible. Bon, on tente. Yes! J'y crois pas. Bah y'a que lui qui va level up, du coup. Bon, c'est pas grave. C'était vraiment trop facile.
Voilà, on sort du désert, on tombe près de la ville d'Evdol. En fait, il a beaucoup d'MP, mais il a une magie dégueulasse. Alors attendez, c'est bizarre quand même. C'est quoi la force magique dans ce truc? 8 esprit, je suppose. Ah non, il a beaucoup. Alors pourquoi ça a soigné que 10 tout à l'heure? J'avais la vie à fond, non, même pas. Ah non, mais on est pas au bon endroit là. C'est quoi ça? Ouais, c'est pas là. On va voir la ville à côté. Ah oui, oui, d'accord. On a l'impression qu'on est faible. Je me fais un peu quand même bolosser par les boss en ce moment. Voilà la ville. Alors tout le monde est zombifié. Hein. Voilà. Et on voit rien. Putain, c'est dégueulasse. C'est le genre de ville, tu restes plus de 2 minutes, tu peux plus jouer, t'as plus de vieux quoi. Alors est-ce qu'on peut se reposer quand même? Bah je pense pas. Par là. Merde. On peut pas se reposer. C'est pas grave, on va partir. Là où on doit aller, mais on va pas y aller tout de suite. Il y a des monstres. Ça va, on a pas un niveau trop bas finalement. Partie gauche de la ville. Ah là, il y a une armurerie là. Comment on y va? Putain, on voit rien, c'est un truc de fou. Ah, quand même. Bienvenue le zombie. Ah, donc ça, c'est des armes qui touchent tout le monde, c'est pas mal. 116. 100. Oh, on va la prendre, c'est trop fort. Ombre. 117. Putain, c'est violent aussi. Hein. Ça aussi, c'est bien. On prend de l'arme à 117, je pense. Ah, on peut pas. Mal tipine en plus, donc c'est pas mal du tout. Bon, on a du feu. 100. Là, 118. Mais sur tout le monde, donc c'est beaucoup mieux. On va vendre un truc, je pense. On va vendre ça. Ouais. Du coup, on est assez pour acheter ombre. Ouais. On passe de 95 à 112, mais par contre, c'est tipine, quoi. Alors que là c'était sans type. Donc c'est fort contre le Yang, il y en a pas trop des Yang. Yang c'est en gros, Yang c'est lumière, Yin ténèbre hein, pour résumer. Ouais. On va tenter comme ça.
Encore un peu, ils doivent de type Yin, je pense. Donc je vais pas leur faire grand chose. Avec Sock. Ok, bah pas mal du tout la mitraillette là. Ah, super. La petite drague des zombies à côté. La confiance. Ah, mais non, mais je suis bête. Faut juste utiliser la manette. Ouais, c'est bien ce que je me disais, il leur fait rien du tout. Alors encore Salon qui gagne un niveau, mais... Donc là normalement il devrait y avoir Pierre Lago. Je sais pas se rappeler, ça c'est là où on avait libéré. Comment il s'appelle Ozen. Voilà, parce que c'est à la fois le maître de Sock et de Silent. Attendez, on avait dit qu'il soignait mal Silent, mais comment ça se fait d'ailleurs? Je suis pas sûr des statues là. Force, c'est forcément les dégâts, dextérité, je sais pas ce que ça peut être. Précision, la vitesse. Non, parce que c'est vitesse. Il n'y a pas de précision, je suis bête. Force, attaque, défense, défense magique. Mais il n'y a pas de défense, de force magique. Un kidnapper. Ah, il a 64 d'esprit, mais l'esprit pour moi c'est la défense magique. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une attaque magique pourrie, mais... Ok, donc là on vient d'apprendre hein, que la Pierre Lago nous dit qu'il faut aller sauver Sauron, qui va se faire tuer. Attends, il faut pas passer par le bateau, je m'en rappelle plus. Pire excuse quoi. Ils combattent des dieux et tout, mais le bateau est solidement attaché, on peut pas le prendre. Au moins on a pu se soigner. De toute façon, il y a qu'un seul chemin possible. Non, ça enfuit, ça sert à rien. C'est des ennemis nuls. Mince. Ah bah oui. Peut-être les tuer lui. Non, non. Ah, elle est là, elle est là. Bon vas-y. Vraiment bien cette arme. Hein. Yes, montagne de feu tort donc. Les ennemis doivent être bidons ici normalement. Sauf s'ils ont mis des nouveaux ennemis. Ouais, c'est des nouveaux ennemis.
Mais regardez le nom des attaques, parce que des fois on peut les apprendre. Enfin, elles peuvent être utiles quoi. T'es à droite? Non. De toute façon, il n'y a qu'un seul chemin, je crois, dans la montagne. Ah non. Je m'en rappelle plus trop. C'était au début du jeu qu'on y était allé donc. Il rend trop fort. Faut absolument l'acheter cette arme là en fait. Ah, je crois que c'était par là, ouais. C'était par là. Ça me dit un truc. Ça doit faire 2 ans que j'y suis pas allé dans la vie réelle, mais. Enfin, 2 ans dans la vie réelle que je suis pas allé, hein. Je suis jamais allé dans la vie réelle. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, ils ont des drôles de noms, ouais. En plus c'est de la foudre donc son attaque là donc contre les robots c'est super puissant. Non, y a pas de robot là mais. Ouais. Les gens c'est un peu le Garlil de l'équipe de Silent. Comme Sok et le Sion hein, d'ailleurs, l'équipe de Silent. Est-ce que moi c'est bleu? Bon bah je dis de la merde, c'était pas par là. Enfin c'était pas par là, oui et non, parce qu'au final on aurait pas eu le coffre sinon. On va quand même combattre les ennemis parce que ils donnent pas mal d'XP je trouve. Et ils sont simples. Ils nous font presque aucun dégât en plus. Que des avantages. Et il donne beaucoup d'or. Voilà. Alors. Ah, j'ai mal optimisé mon attaque là. Ouais. Normalement j'aurais dû attaquer tout le monde avec tout le monde sur le lui là. Que de toute façon j'ai tué les deux autres. Ouais on monte déjà de niveau. Ouais non ils sont vraiment bien alors. C'est bien qu'ils aient mis à jour les ennemis de la montée. Ah oui là je me rappelle, c'est le truc où on pouvait marcher dans le feu pour aller jusqu'au coffre. Ah elle est pas si forte que ça son épée Ah c'est pas ok. J'aurais peut-être pas dû lui mettre. Non, ça serait être rapide. Il y en a un qui a réussi à échapper l'attaque. Tenue flamme. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais c'est une arme. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah voilà, parfait. Je la garde mais bon, c'est pas top parce que là ils sont de type feu les ennemis mais... Cool. Ça doit être là du coup. Thank you.
quelle vie de merde, Salon. Il arrive que des crasses, c'est incroyable. Elle était pas mal la scène en noir et blanc avec la musique de la carte en version un peu mélancolique, c'était sympa. C'est marrant parce que vu qu'il s'appelle Sauron, on dirait le méchant du Seigneur des Anneaux et finalement. C'est un peu bizarre. Oh non, il y a mon voisin qui fait des coups de perceuse. Bah, je suis désolé. Mon voisin fait du bruit. Donc je vais couper la vidéo. Là, il faut du coup que j'aille. Putain, ta gueule. Il faut. Désolé. J'essaie de mettre en pause l'enregistrement le temps qu'il arrête les travaux. Ouais, bon, je sais pas. Des fois, il fait ça toute la journée, donc je sais pas si vous entendez, remarque. Mais... du coup, ouais. Du coup, il faut maintenant qu'on aille à Vilshan. Hop, on va prendre le TP bleu là, en passant par l'au-delà en fait. Ok, ils sont nuls. Voilà, on arrive à Vilshan. Et alors là, c'est pas obligé, mais on peut passer par là pour faire une quête optionnelle. Je pense que je vais le faire, mais on va sauvegarder avant. Je sais pas si on arrête la vidéo là. Ouais, on a arrêté la vidéo, elle fait 25 minutes. Donc là, on a fait, on va dire, ouais, les 3 quarts du jour 9. On a plus qu'à aller voir Kulgan pour le combattre. Mais il y a deux petites quêtes à faire, enfin une quête maintenant, là, la mini quête par le téléporteur rouge, et une quête après Kulgan. Que je vais faire les deux, du coup je vais sauvegarder avant et puis on fera tout ça à la prochaine vidéo. Allez, à plus.